René Connard, je suis à côté de Maxime Béziers, il tente une échappée. Jean-René, Maxime, un petit mot pour un auteur. Moi, Billy. Je suis sûr qu'elle est raide de bonne. Ça peut ne pas être facile. C'est vrai. Hello. Salut à tous, messieurs dames. In here, let's take the horses in. T'as le numéro 6, c'est bien ça, dans la course. Est-ce que pour toi c'est un bon numéro, tu vas aller devant? Ah, si je peux y aller, je vais essayer, mais je suis pas tout seul à vouloir y aller, je crois. Après le numéro 6, j'aurais préféré le numéro 3 ou 4, ça aurait pas été plus mal. Mais bon, on va faire avec, hein. De toute façon, maintenant qu'on est là, on va pouvoir faire demi-tour. Bon, on se retrouve tout à l'heure, après la course. J'espère. Faudrait trouver une salle. Bon, ici, je pense qu'on peut en trouver une ou deux, quand même. Point rouge. Thank you.
Tu rêves pas, t'as gagné ? Bah ouais, on a gagné, hein. Ah, c'est un crack, c'est un super cheval. Il fait un truc, parce que dans le dernier tournant, on sentait le temps long. Ouais, parce que l'autre... Et puis on connaît les Suédois, ils sont morts, ils t'emmerdent à rester là, à pas sortir. Donc j'avais peur qu'ils puissent pas avoir le... Mais le vieux était encore super. Le vieux, il a fait un truc extraordinaire. I haven't seen it. I'm just saying what they're saying in the... Nothing is a... What? The horse here is a... Seul ici, il faut faire rien parce que c'était devant des enculés. Merci, bon. Ouais, merci. Och vi visar nu på tv-apparaterna upploppet för er. And you can watch the race, the last 20 meters on the TV screen. New winner of the Hugo title. Ja, men c'est grave. Nummer 4, Edu. Fabrice, il doit y avoir de la colère, de l'incompréhension et également de la satisfaction avec... Ouais, bon alors la première, on va prendre la première, la satisfaction. Un mec a été très bon, il a bien gagné, tout. Après, ben, la colère, oui. La Suède, ça va être fini. Parce que déjà, Edune, quand on vient les trois quarts du temps, on a des 8, des 7 et des 9 et on vient. Donc voilà. Je pense que c'est une très, très mauvaise mentalité, une sale mentalité. Des gens qui respectent rien. Et voilà. T'es écœuré là ce soir ? Ouais, je suis écœuré. Vraiment écœuré. Roberto Andrechetti, il a drivé la quatrième, il a rien fait. Il est dernier toute la course. Il finit huitième, il a pris 200 euros d'amende. Il sait même pas pourquoi. Pourtant, il était dernier toute la course, donc je sais pas qu'est-ce qui l'a gêné. Voilà, on fait une croix définitivement sur la Suède. Et puis voilà. Je suis bien content en plus. Oh, tu dis ça, je suis sûr que tu... Non, je suis bien content, tu prenais plaisir à gagner les... Ouais, non, je prenais plaisir, mais là, vous prenez pas plaisir. On amène un cheval qui est un tout bon cheval, il gagne, on se fait disqualifier, on sait même pas pourquoi. Donc voilà, je pense que c'est bien, ils doivent être contents de gagner entre eux avec leur bourricot, là, donc voilà. Je pense qu'on est trop gentils en France parce qu'on est sérieux, on leur donne des... On est crédible dans les numéros, ils ont des 2, des 3, des 8 et des 9. Nous, on a toujours des 8 et des 9 et des 10 et des 11 et des 12. Donc je pense qu'on est trop gentils avec eux. Mais bon, au moins on est honnête et sérieux. Eux, ils sont pas honnêtes et pas sérieux. Donc voilà.
So for me, I understand that they are very angry and they, because they have two different cultures. Yeah, but you were already unlucky in France too, with Jean-Michel Bazir one time. Yeah, he had something with me a couple of times. Okay. Franck, bah, c'est pas encore pour ce soir la première victoire en Suède. Bah ouais, c'est dommage, on avait bien gagné. J'étais un peu surpris qu'il y avait même enquête, parce que pour moi, il n'y avait rien du tout. Non, dis pas non. 2, 1, ça tourne. Allez, ouais, ouais, vas-y. Fucking French, fucking French, fucking French. Putain, on l'a eu. Et l'année prochaine, on leur refait la même. Ah bah oui, allez. Ciao, ciao. Allez les gars. Allez, allez, allez. On l'a eu ce français. Est-ce qu'on peut faire nous les commissaires, hein? T'as vu? On est bon. Ah bah les gars, il nous faut l'argent maintenant. Allez, on voit l'oseille là, c'est vrai. On l'a pas distancé pour rien, ce français là. Donne-moi ça pour rien. Allez, putain, il y en a trop, les gars là. See you again.